suis Benoît Derevier, j'ai 31 ans et je suis arboriste grimpeur. Arboriste grimpeur, c'est artisan du vivant, c'est la gestion des êtres vivants que sont les arbres, même les écosystèmes que sont les arbres. Il est géré en faisant parfois des opérations d'élagage, parfois des opérations de bannage, quand c'est nécessaire de l'abattage. Finalement, on vient placer notre corde au sommet de l'arbre et ensuite on vient se balader dans tout le houppier. Et donc c'est ça, c'est un déplacement un peu en 3D. Où on vient passer d'une branche à l'autre pour revenir au tronc, pour aller en bout de branche, redescendre, remonter. Et c'est vrai que ça demande une gestion de cordes et une gestion des déplacements qui rend la grimpe assez passionnante, quoi. La particularité de ce métier, c'est à la fois de gérer les êtres vivants que sont les arbres et aussi de gérer les gens qui occupent les espaces où on a des patrimoines arborés. Ce qui amène à cette complexité d'avoir des connaissances en termes de biomécanique, physiologie végétale, gestion des risques, et puis un aspect ultra technique où là on doit être capable de pouvoir accéder aux arbres, se déplacer dedans et arriver à faire un diagnostic pour arriver à définir les interventions nécessaires. Ça sort ? Ça fait 10 ans que je suis arboriste grimpeur. Je me suis formé en 2011 à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Puis ensuite, j'ai travaillé pour plusieurs collectivités. J'ai ensuite voyagé à l'étranger où j'ai pratiqué mon métier d'arboriste dans d'autres pays. Et après, je suis revenu en France où j'ai monté mon entreprise. Ce qui me motive dans ce métier d'arboriste grimpeur, c'est cette complexité au quotidien, devoir gérer des situations qui sont extrêmement différentes. Ce qui fait qu'à chaque fois, on doit arriver à avoir un regard neuf devant chaque arbre sur lequel on doit intervenir. Donc aujourd'hui, on a travaillé dans le parc du château de campagne. On est venu consolider une insertion qui présentait des symptômes de défaillance mécanique. Ok, c'est bon Clément, on a 130 kg de tension dans le câble là, donc c'est largement suffisant. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que les techniques et les produits ont extrêmement évolué ces dernières années. Il y a 10 ans, et c'est pas beaucoup 10 ans finalement, on n'avait pas du tout le matériel qu'on avait actuellement. Et c'est vrai que l'arrivée de nouvelles techniques et de matériel innovant nous permet d'arriver à concilier plus de sécurité au travail, plus d'efficacité, et puis ça renouvelle totalement notre façon d'appréhender la grimpe et d'appréhender le déplacement dans un houppier. Pour faire ce métier, ça nécessite d'avoir une certaine aisance physique, quoi, c'est clair. Se déplacer dans un arbre, ça reste assez technique, assez physique, ça demande beaucoup d'équilibre, un peu d'agilité. Et à côté de ça, un esprit assez humble et assez pragmatique. On peut vite se faire envahir par nos émotions, on peut vite se faire dépasser par ce que peut représenter un arbre, quoi. On connaît encore pas grand-chose de ces gros êtres vivants, c'est pas beaucoup, mais on fait avec ce qu'on a. À venir, ça va encore énormément bouger, quoi. Donc il faut être bien conscient que ce qu'on fait maintenant est très différent de ce qu'on faisait il y a 10 ans et sera probablement encore très différent de ce qu'on fera 10 ans plus tard. Les arbres, c'est 300 millions d'années d'évolution. 100 millions d'années avant les dinosaures. Nous, on est là depuis 50 000 ans à peu près, quoi. Donc c'est vrai qu'on intervient et on doit gérer, on fait face à des êtres vivants qui nous dépassent largement. Ils s'inscrivent dans un espace-temps qui nous dépasse complètement. Et c'est pour ça que gérer les arbres, c'est quelque chose finalement d'ultra compliqué.